from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Tongues of fire, purge the soul, make love your goal. Qui attaque à ce moment-là, ouais. Là t'explose, donc vraiment, je donne tout, je suis à la limite. Ouais. Tu sais un peu plus soutenir maintenant avec les progrès qui te restent à travailler, enfin, ce que tu peux faire. Déjà, ça n'a rien à voir, j'ai jamais eu des places dans les 10 autres années. Tu prends l'année dernière, j'étais à chaque fois dans les 20. Donc, et là, j'arrive à accrocher ce groupe, que j'arrive pas à tenir, mais j'arrive à l'accrocher. Donc, tu as déjà réalisé une bonne marge de progression. Une marge de progression dans les bosses. Les bosses à 3 km. Elle monte bien quand elle a son rythme. Enfin. Le boss ? Ouais. Alors il y a des 1, 2, 3 ou 4. J'ai pas 3. Alors Christelle, encore une journée difficile, sinon la plus difficile aujourd'hui. Ouais. Tu as réussi à limiter la casse. Comment tu entrevois la journée de demain qui sera aussi encore assez montagneuse? Oui, donc il va falloir surveiller toujours par rapport au général. Et puis, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on aimerait bien faire quelque chose sur une étape. As-tu essayé aujourd'hui de lancer une attaque dans les parties difficiles ou tu étais vraiment limite? Non, dans les parties difficiles, j'ai essayé de sauver la casse par rapport aux premières qui étaient vraiment qui montaient vraiment vite. Et après le premier col, j'ai essayé d'aller dans les attaques dans la vallée où il y a Osler qui est parti avec une fille de l'équipe de Marianne Vos. Donc là, il y a eu plein d'attaques, j'ai essayé d'y aller, mais bon, c'est pas parti quand j'y suis allée. Et puis après, la bonne avec Osler est partie. Tu sens vraiment que dans l'école, les filles de Cervélo ou même les néerlandaises sont vraiment un toit en dessus. Elles sont nombreuses. Il y a vraiment un gros écart avec ton niveau, tu trouves? Oui, je trouve. Entre les 6 premières, là, qui sont au-dessus, vraiment au-dessus. Après, c'est les attaques qui font mal, donc au début ça va, mais s'il y a un peu plus d'attaques, j'explose. Mais là on voit, les filles ont explosé une par une, elles se sont presque retrouvées toutes seules, à part les deux premières, donc c'est vrai que ça roule vite. Deux jours de l'arrivée, est-ce qu'on peut espérer de voir Christelle triomphante? J'aimerais bien, j'espère. Nous aussi. Merci.